Dans tout rapport de proximité, rapport de bon voisinage, ti enquête qu'a fait, jodi an ki se 7 février 2022, qui marque de manière constitutionnelle fin mandat président Jovenel Moïse et qui marque 7 mois depuis nègre te rentre la kayli colombien, haïtien, haïtien-américain, yo te assassiné. Eh bien, 7 mois après assassinat Jovenel Moïse, ou supposé en mesure pour répondre à 5 questions. Qui, quoi, quand ou pourquoi? Ça, c'est première étape travail nous pour aujourd'hui. Photo et audio sont des preuves solides qui ont pour avec greffier Élisée Cadet, qui s'est greffier qui a travaillé avec juge d'instruction Gary Aurélien sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Il prend la rue. Il prend la rue dans un contexte côté que greffier, littéralement, et directeur RJNT Carlan Olidamus, Olidamus lui-même qui gagne et qui te gagne mandat d'amener derrière, dans 4 dossiers assassinat Jovenel Moïse, parce que c'est lui-même qui te met tes machines à la disposition Joseph Félix Badjo, qui te met tes machines à la disposition de John Joel Joseph, pour bailler Colombien, pour bailler mercenaire, pour te altouiller Jovenel Moïse. Eh bien, malgré tout plaider, greffier te plaidé, malgré tout menti et greffier Élisée Cadet te dit yo t'a fait soulé, mais finalement pour viola ou pral wè photo yo ou pral wè texte WhatsApp yo ou pral tande causer jodi an la 7 mois après assassinat Jovenel Moïse, nous pral déshabiller, nous pral mettre tout ou nous pral démasquer corrompu qui a barré dossier, corrompu qui a empêché dossier continuer. Son larian voulait faire croire que Joseph Badjo Félix lui parlait. Lui parlait pour lui dire qui ça? Quelle en est l'authenticité de ce document qui gagne dans la rue là? Qui authenticité, qui véracité? Est-ce que lui pas beaucoup plus confortable sous terre Badjo Félix à travers une vidéo qui t'a circulé que un document qui seulement gagne en bal Joseph Félix Badjo avocat? Nous allons parler sous ça. Et comme invité pour aujourd'hui dans l'émission, nous allons recevoir M. Ducasse Florestal avec un projet de société ligue qui est très intéressant. Nous allons en pile avec un paquet de bagailles sous 7 février, sous 7 juillet, sous élection. Et également tout sous transition, nous allons pédaler là-dedans. Donc, déjà, je vous invite à partager la vidéo. Ou même qui fait tomber sur le channel, pas hésiter à abonner. Et je dis un grand merci à chaque abonné, chaque fanatique qui par jamais la gagne nous. C'est grâce à vous même travail là. Continuez. Ça ou même pas gain éditorial, ça ou même pas gain taxe 609. Donc, obligez là avec nous, accompagnez nous, gardez vidéo, partagez vidéo en façon pour encourager nous. Ou sous comme, ou avec. Et je dis, qui c'est 7 février, mes amis, m'a encouragé nous pour nous faire une rétrospection, pour nous retourner dans la pensée, nous. Regardez qui ça nous a fait, regardez qui ça nous pas fait, regardez qui ça nous doit faire, qui pour aider, qui pour bailler démocratie en j'arrête. Tout bon. Parce que 7 mois après là, assassinat Jovenel Moïse, haïtien complice, nous tous complices. Parce que nous t'ai accepté en 4 ans. Yo sale caractère en 4 ans, détruit caractère en 4 ans, te gagne des attaques physiques en 4 ans, te gagne des attaques armées, nous toutes complices. Qui ça qui doit fait? Mes amis, je vous aime énormément et chaque jour moi je joins l'occasion pour me renouveler l'amour ça, pour me renouveler affection, attachement pour nous, c'est toujours un plaisir. On y va, on allez. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Sans perdre du temps, nous allons rentrer dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. Et puis après, pour nous passer dans le greffier Élisée Cadet, preuve yo la, fok ou weyo, preuve yo la, fok ou gade yo, fok ou tande yo. 5 questions. Qui, quoi, quand ou pourquoi? Qui est-ce qui a assassiné président Jovenel Moïse? En rappel, yo arrêté plus que 40 moun qui n'ont pénitencier national. Là-dedans, il y a des Colombiens, des mercenaires colombiens, des Haïtiens et des Américains dans le complot. Colombiens, ça, ils sont rentrés en Haïti dans un contexte côté que
yo fè konnen, yo te vin bay sécurité avec des officiels, yo te vin bay sécurité avec des personnalités importantes. Et pourtant, 7 juillet, c'est même Colombien ça qui pral participer dans touyer, qui pral participer dans assassiner président Jovenel Moïse. Assassinat président Jovenel Moïse, li fait non contexte socio-politique voire économique qui mandé pour nous poser en pile question. Qui est-ce qui te gen des intérêts économiques? Qui est-ce qui te gen des intérêts politiques? Qui est-ce qui te gen des intérêts voire géostratégiques dans la mort, dans l'assassinat Jovenel Moïse? Classe politique là, nous conscient que jodi an nous te gon opposition politique pendant 4 ans qui t'a porté mourir, qui te vle manger, qui te vle rache manyok Jovenel Moïse baite a pou yo te ka yo même installer gouvernance yo pou te ka installer ça yo gen comme idée pour yo te ka rentrer dans mamel bef la pour yo vin tete tout. Et bien jodi après assassinat Jovenel Moïse, nous gagnons un pouvoir politique, nous gagnons une administration l'État qui accapare pour un petit groupe nèg paquet gang politique. Et on va comprendre que accord en septembre qui bail Ariel Henry qui côté Ariel Henry prétend mi gen légitimité pour allier là avec opposition politique là, pour allier là avec SDP, pour allier là avec fusion, avec imité, avec paquet l'autre encore. Jodi des séries de nèg qui tap sale caractère Jovenel Moïse, des séries de nèg qui tap invité population à camper derrière barricade, qui tap mettait plus instabilité, qui tap mettait plus désordre en dedans pays, c'est eux même qui n'ont pouvoir, c'est eux même qui ont décidé, c'est eux même qui gain passeport diplomatique. L'autre Ricard Pierre dans tête ministère planification, c'est lui même qui a prend des décisions importantes pour pays, c'est lui même qui a planifié des projets d'envergure pour pays alors que le passé tout temps dans causer dans Zendel Col, passer tout temps dans Simaye poupou, dans transporter poupou, dans badigeonner parlement poupou. Donc qui wòl moun sa yo nan krasé pays? Ki wòl moun sa yo nan rabaisser démocratie? Ki wòl moun sa yo nan créer plus instabilité dans société? Répond question ça. Parce que c'est nous qui accepter yo, c'est nous qui tolérer yo, c'est bon, en fait c'est pour nous yo di a travail, mais nous pas jamais ka joindre résultat. Qui l'a assassiné Jovenel Moïse dans la nuit 6 pour le 7 juillet? 6-7 juillet. 6-7 juillet 2018. 6-7 juillet 2017. Même symbole ça, même idée ça, eux toujours là. Au bras joint en 2021, assassiné Jovenel Moïse. Non, en contexte côté que, de manière politique pour Jovenel Moïse, 6-7 juillet, c'est symbolique. Yo bay pays lok. Ou sot nan pays lok, yo bay manifestation net ale, yo bloke pays de manière politique, dat sa, li te vle di yon bagay, dat sa, pou Jovenel Moïse, li te presque marqué en 2017, et démission Jovenel Moïse, parce que le noue neg yo, yo te lok pays ya, depuis 6-7 juillet, pays bloke, manifestation, barricade, caoutchouc a boule, donc, quelque part, Jovenel Moïse s'est senti, et intimidé, Jovenel Moïse te senti il te piégé, Jovenel Moïse te senti et finalement faut que li rache manyok li, faut que li baite ya, faut que li te ale. C'est ça tout le monde te comprend, c'est ça tout le monde te attend qui t'a pas passé le premier mouvement, le premier vague pays lok là. Finalement Jovenel Moïse il surmonte. Finalement Jovenel Moïse il te passé autre. Et on pral joine assassinat Jovenel Moïse 3 ans après. Au bras joint assassinat Jovenel Moïse 6-7 juillet 2021, li marqué dans même contexte là, dans même contexte politique là, puisque il y a des hommes qui font partie de la classe politique qui sont eux-mêmes impliqués. On toujours aimé dire Lina Baltazar, Lina Maron, gagné Paul Denis ont été invité, qui était gagné mandat d'elle, etc., etc., des hommes politiques. Des séries de monsieur, dame qui fait partie de secteur et judiciaire, en pouvoir judiciaire, en Wendel Kok qui a un mandat et avis de recherche d'elle, mandat d'amener d'elle, ou t'es gagné d'Abrésil Vikel 7 février, notre tentative de coup d'état raté, ou gagné Jean-Roger Noël Sius qui lui-même est président en fonction, lui mette mandat d'un président. Donc, son paquet dérive, son paquet démagogie qu'a fait en dedans l'État. Et tout ça, il a abouti avec qui ça? Il a abouti avec assassinat Jovenel Moïse. Qui pisait, jodi en la, 7 février, qui t'a supposé marquer début mandat constitutionnel au nouveau président, puisqu'il y a eu vide.
et institutionnel depuis 7 juillet. Puisque jodi an la, nous considérons le premier ministre Ariel comme un PM de facto qui n'a pas réglé rien, il n'a pas de légitimité, il n'a pas de statut pour prendre des décisions. Mais nous, ouais, il est là. Nous, ouais, il est là parce que l'État, il fait de gouvernement haïtien, il fait de l'État haïtien, on l'État autocratique, on l'État qui centralise dans mon petit groupe gang politique, on l'État côté que c'est démagogique en fait, on l'État côté que nègre a gouverné selon bonne volonté, ils ont mis tout principe de côté, ils ont mis la constitution veilleuse, c'est démagogique en fait. Maintenant, posez-vous cette question, pour qui ça a tué président Jovenel Moïse? Gagne plusieurs hypothèses qui sont tablant. Des hypothèses économiques. Et New York Times n'a pas jamais oublié l'article ça, il a écrit comme quoi que t'es gon liste de narcotrafiquants que Jovenel Moïse a travaillé sous lui, qui gagne la dans non, et beau fils, et qui gagne la dans non beau frère, pas beau fils, qui gagne la dans non beau frère, et ancien président Michel Martelly, qui concerne Rémi, frère madame, qui gagne la dans et ancien, et des séries de personnalités en dedans pays en yo même soit qui était dans même pouvoir PHTK soit qui était dans l'autre pouvoir passé yo qui dans drogue en dedans pays en ka vend drogue ka vend zam soit disant Jovenel Moïse t'a travaillé sous lui c'est pour ça le mourir mais nous ka aller plus loin toujours nous ka aller plus loin parce que ba me dit nous un bagage qui est extrêmement important je dis pour nous comprendre question l'argent question contrat bidon qui a passé en dedans pays ça. Question contrat, mauvais deal qu'a fait, côté que yo bail des contrats léonais avec des séries de nègres et contrats de longue durée. Et pas jouette. Nègres ça yo cap touché des millions de dollars. Pour des contrats côté que service ça yo pas même bail population. Pour des contrats côté que c'est l'argent l'État encore cap acheter matériel. Pour des contrats côté que c'est l'argent encore cap fait, l'argent l'État encore cap fait entretien situ. C'est normal le contrat ça a coupé pour nèg voyer pied, c'est normal le contrat ça a coupé pour nèg de estomaquer contrat asphalte, contrat et route. Nous comprenons comme si là 7 mois après assassinat Jovenel Moïse, pour instruction dossier pas qu'on ka fini. 7 mois après nèg yo fin touyer Jovenel Moïse, pour la justice pas qu'à trancher. 7 mois après pour un juge d'instruction pas qu'à prendre dossier pour travail pour enquêter. Pour inculper nèg yo de manière officielle. Et puis nous disons n'a fait pays, nous disons nous avons pouvoir judiciaire, nous disons nous état de droit. Eh bien, il n'est pas possible comme ça. Vous pouvez comprendre, Josian là, Jovenel Moïse qui a assassiné, c'est comme si de rien n'était. C'est comme si de rien n'était. Ou pas ouais volonté, ou pas ouais démarche positive qu'a fait pour y permettre à ce que le dossier li fait route li, sans que pas gain influence aucune des parties là-dedans. Ou pour exécutif, je dis en la, ou bon premier ministre qui a de très bonnes relations avec Badjo Félix. Et Badjo Félix, yon considéré comme auteur intellectuel. Badjo Félix, yon considéré comme moun qui planifie, comme moun qui a complot nan mel, qui a assassinat nan mel. Et puis, c'est même Rodolphe ça qui te caché dans même cas avec Badjo Félix. C'est même Rodolphe Jean ça qui prend le faire révélation que Badjo Félix, il était parlé à premier ministre Ariel Henry qui t'a dit que y a bien garantie, y a pas faire qui t'a payé, y a pas et protéger etc. Donc ou voulez dire que quel était ministre de la justice, ou voulez dire que quel était doyen tribunal, ou voulez dire que quel était commissaire du gouvernement, depuis c'est monde qui a de très bonnes relations avec l'exécutif là. Ou pas qu'à attendre rien de positif non mais ou pas qu'à attendre aucun résultat positif non mais dans quatre dossiers Jovenel Moïse parce que y a toujours gagné interférence parce que y a toujours gagné influence sous l'autre Mathieu Chanlat premier juge désigné pour instruction dossier il pété courir convenance personnelle il pété courir pour des raisons de sécurité. Ou vient jeune Gary Aurélien avant même li prend dossier ou décrier son jeune juge sa expérience sa compétence etc. Bao scandale corruption et dans scandale corruption ça me pral vini avec information sous greffier Élisée Cadet puisque 9 décembre qui se passé à là Élisée Cadet débarqué dans Yangiretika li rencontré avec représentant entreprise qui c'est Edmé Rémy te gen employé là et puis li pral mandé article avant que oui ay bon pense que article
li joine enregistrement réunion avec photo message WhatsApp côté que Élisée Cadet a négocié transfert yon machine nan nol. Et ça plus grave là, ça plus grave là, le maître d'entreprise li relé Jean-Suction Gary Aurélien, ça aussi des informations. Bon, si Jean-Suction Gary Aurélien li estime que moun yo nan argent quand yo fait mentir sur lui que relé la justice, yo dit que Jean-Suction Gary Aurélien li confirmé que c'est lui-même qui voyait greffier Élisée Cadet. Et tout à l'heure là, on pral wè, on pral joindre photo, on pral regarder photo, on pral regarder screenshot, on pral regarder toute information yo parce que nèg yo fait moun honte dedans pays au dossier. Au dossier assassinat en président, pour nous prendre dossier à la légère comme ça. Au dossier assassinat en président, pour nous admettre de manière visible, n'a participé à la corruption, n'a fait marchandage avec instruction. Donc, pour nous retirer mandat d'amener des honnêtes, faut clipper. Pour nous retirer interdiction de départ des présumés coupables, faut clipper. C'est pas possible. Et ça qui est droit là, ça qui est là, où je ni greffier ni juge, qui fait j'obéir, cherche, qui plaide, qui prend micro la presse pour faire tourner tribunal pour défendre tête. Depuis le preuve ça a été sorti là, faut que ça, faut que tu répondes question, faut que tu cuisiner. Parce que corruption n'est pas visible comme ça, corruption n'est pas admettre pour la tous les niveaux de l'État. Et puis nous disons, nous fait pays. Quand Jovenel Moïse pral passer pour une justice avec nèg sa yo, avec nèg depuis autant de machines neufs, avec nèg depuis autant de millions de goud, milliers et 200 000, 300 000 dollars, tête yo gete pran, tête yo gete gwa. Là, c'est responsabilité nous comme peuple, comme citoyens haïtiens pour nous veatif, pour nous mettre les yeux, nous kebe je nous fixer dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. Et c'est ça que fait là. Malgré que nous avons droit à un tribunal là, nous avons mis Bernard Saint-Ville, lui désigner Étienne Chavanne pour prendre dossier comme juge d'instruction, il y a réticence, il y a recul qu'il prend parce que, premier bagage qui s'arrive, famille jugeant prudent, yo prudent dans ça qui vient pour avec accusation, yo prudent dans ça qui vient pour avec sécurité jugeant, yo prudent dans ça qui vient pour avec propre sécurité yo, parce que dossier Jovenel Moïse li tout non épée Damoclès. Nèg yo en termes de corruption yo fait tout non épée Damoclès parce que dès ou prend dossier ça ou est susceptible de corruption. Que vous voulez que vous parlez, vous avez une vie for off. Que vous voulez que vous parlez, vous avez une vie à Timalet l'argent. Vous avez une rencontre. Des séries de monde, vous avez même rencontré, sous terre de juge, on s'est juge d'instruction qui part prendre ce Jovenel Moïse. Vous parlez de ce nègre qui parle de numéro de téléphone. Ce nègre qui parle de faveur. Ce nègre qui parle de pression. Ce nègre qui parle de mettre et des délais sous la vie ou des délais sous la vie petit tout. Si vous ne faites pas ça, vous m'en dire. Donc, dossier Jovenel Moïse, il est fragile. Même si on n'a pas quelques dossiers qui n'ont pas eu l'instruction, autant de matin, midi, soir, volé, preuve a disparaître. Avec l'instruction, il a disparaître. Parce que, jodi an la, que vous voulez, que vous ne voulez pas, mafia économique impliquée, mafia politique impliquée, et moi-même, ça m'attend. Moi-même, ça m'attend leur nouveau juge d'instruction vraiment de manière officielle, prend dossier Jovenel Moïse. Et si Chavanne Etienne décide de prendre dossier, que le mette pantalon dans ta li, que le mette pantalon dans ta li, de manière à ce que ça pour faire plein pour le faire. Des séries de nègres qui impliquent, clamer au public à plonger doigt sur eux, faut qu'ils paraissent devant yon juge pour tendre yon. Faut que le tribunal tende yon. Et s'il le faut qu'ils inculpé pour yon condamner. Parce que nous pas qu'à tolérer des risards, des séries de nègres. On n'est pas passé. On prend André Michel par exemple. Rien de personnel avec le type. Mais on prend André Michel qui a 4, qui passe 4 tof à déstabiliser un pays sous prétexte que l'a défend intérêt populaire, l'a défend intérêt collectif. Et puis, je dis là, mandé nègres. Mande nexayo Jovenel Moïse pendant 4 ans, nous tap target, nous te lage de guidon, de guidon, de guidon. Est-ce que jodi an gen stabilité dans le pays? Hein? Est-ce que 7 février là, gon président élu qui rentre dans le palais national? Est-ce que gen investiture? Est-ce que gen TDOM qui fait? Est-ce que échappe présidentiel là te passé? Non.
Le pourquoi? Parce que nous fait carrière plonger dans chaos, nous fait carrière plonger dans instabilité, nous fait carrière continuer dans mauvaise gouvernance de l'État, parce que c'est des incompétents qui accaparent au pouvoir l'État. C'est des incompétents qui ont dirigé, c'est des incompétents qui ont pris des décisions pour le peuple, c'est des incompétents bien connus, qui ont même jodi a gè contrôle pouvoir judiciaire qui pa jamais quitter vérité en prend la rue qui a toujours caché moun pour cacher protéger moun pour protéger et c'est ça que fait toujours dit nous et c'est ça que m'a redit nous jodi là quand il s'agit pour n'a parler de Joseph Badjo Félix pas prendre information à la légère pour n'a dit que li parler ou bien yo té wèl ceci yo té wèl là-bas non. Yon nèg tan kou Badjo Félix qui participait dans mettre complot pour tuer Jovenel Moïse pour le parler fort de manière visible. Pour le parler ou bien pour connait pour d'où yo arrêter le fort de manière officielle. Yo a pu utiliser Badjo pour faire diversion. Yo a pu utiliser Badjo pour faire propagande. Maintenant c'est mettre tête ou clair pour connait propagande ça diversion ça dans intérêt qui est la pied. Et c'est dans l'intérêt moun qui touye Jovenel Moïse la pied. Et ça m'a pral comprendre tout. Nèg yo pa gen l'autre objectif que utilise ou. Puisque yo konnen, depuis yo la gen information, yo la gen document, yo mette en bal Badjo. Tout moun pral rele, tout moun pral di Badjo pale. Et ça y a protégé, y a cherché protéger, yo konnen ki objectif yo mette document de yo. C'est nèg yo kap caché vérité pour Jovenel Moïse par une justice, pour démarche par une justice. Ça, c'est des moyens d'intimidation et tout, pour n'importe juge qui prend une prend dossier pour instruire et pour continuer avec instruction dossier Jovenel Moïse. Faut que nous vigilants, faut que nous veillatifs, pour nous pas quitter nèg yo utiliser nous gens à faire là. Yo pas égaré, yo vle faire nous passer pour égaré, mais yo même yo pas égaré. Donc là on pral di m que c'est pas intentionnel document ça qui a circulé ou Badjo parler hein? C'est pas c'est intentionnel et c'est très intentionnel même qu'on y a assez jeune qui est-ce qui la gueule tout mon Abdou Badjo la gueule mais c'est jeune qui est-ce qui la gueule dans pays sérieux côté que gagne enquête qu'a fait côté que gagne juge qu'a travail il a pour retracer document il a pour retracer PC donc nous t'ai parlé de dossier greffier Élisée Cadet là on va regarder faut montrer nos bagages parce que pour mes cédettes là on a regardé avec moi photo on a regardé là nous avons photo côté que mais et greffier Élisée ça c'est numéro greffier hein? De l'autre numéro de quatre autres chiffres obligé caché pour ne pas parce qu'il était greffier. D'être chargé. On greffier qui a pensé un dossier et puis c'est comme ça. Mais là, c'est information greffier a voué bail, il voué bail et avocat qui sous dossier et au lit d'Amusan. Ça, c'est pièce greffier. Côté greffier a demandé qui modèle machine ni besoin, qui qualité machine, qui le plus jeune machine. Non, mais toute information est là. Toute information est là. Et greffier a confirmé bail beau poste. Il confirme que oui, effectivement, il était pour parler avec avocat qui a travaillé sur le dossier au Lidamusan et que c'est pour te prêter le machine, etc. On dit un petit bagaille. Pour nous, on est un peu malhonnête. On dit que greffier, considéré comme des parents pauvres parce que n'ont pas touché greffier pendant que le juge d'instruction à l'époque, Gary Aurélien, était une machine blindée ou même sous des pieds ou à marcher. Ou t'as connu pour entrer dans le système judiciaire, comment ça t'apprend le livre? Tu connais que tu n'es pas bien payé, tu connais que tu n'es pas bien touché, ou tu choisi pour greffier. Qui sont fait de moralité? Donc, c'est dossier Jovenel Moïse, c'est lui-même qui peut ouvrir porte pour le fort conduire machine, pour le fort ou les machines, pour le fort ou sortir dans marché à pied, pour qu'on y a, pour venir et BMW, ou après régler les choses. Non, il n'y a pas obligé comme ça. Bagay yo pas obligé comme ça. Jodi an la, gen confirmation preuve à l'appui que doré que greffier hein, li t'a fait extorsion, li t'a fait chantage avec mon Jiren Tekayo. Kounye a ki sa pral fait? Qui ça c'est SPJ pral fait? Parce que nous connaissons SPJ, c'est lui même qui c'est instance administrative pouvoir judiciaire. Qui ça pral fait? Est-ce que yo pas supposé rele yo? Est-ce que yo pas supposé prendre des mesures contre des sanctions contre relé yo assez mais prendre des mesures prendre sanctions contre ça sont le père de manche
Nous pas cap tolérer un paquet corrompu comme ça dans le pouvoir judiciaire pendant que moun gen problème pour yon jeune justice, pendant que juge a vendu justice, greffier a fait marchandage. Contre conflit d'intérêt, qui ça nous fait de lui? Qui ça nous fait d'éthique là? Qui ça nous fait de moralité? Et pour prendre le temps de que et la justice pas à travailler, la justice pas à fonctionner, mais c'est nègre corrompu. Donc là, nous voulons que toute démarche qui doit être faite contre greffier, contre juge pour faire, fuck dossier Jovenel Moïse, fuck les clean et fuck les continuer faire autre. En attendant que et parti concerné, Martine Moïse et Timon Jovenel Moïse, yo fait les suites nécessaires parce que yo même tout yo capoté plainte. Yo capoté plainte parce que moun sa yo y a biaisé enquête là. Moun sa yo y a biaisé dossier Jovenel Moïse là. Donc fuck travail, fuck qu'il continue. Moun qui doit agir, fuck yo agir. Est-ce que nous comprenons la réalité? Nous comprenons qui problème nous est là. Donc, je dis, 7 mois depuis que nous avons assassiné Jovenel Moïse, ou non, impossibilité pour un juge et travail sur le dossier. Pour peur, convenance personnelle, et corruption, tout ça, ils ont entaché le déroulement du dossier. Ou bien, ancien président Michel Joseph Martelly, qui comme d'habitude, à la coutume, avait le timing pour le faire tweet. Parler pour ne rien dire, ouais, parler pour ne rien dire, parce que depuis Negis, c'est timing y avait, depuis Negis, c'est occasion y avait pour paraître tête, parce que nous connaissons un peuple là, son peuple qui est émotionnel. Oui, je dis, on t'a supposé, c'est un nouveau, un début pour le président à rentrer. On le président pour t'investir de fonction. C'est pas possible, puisque y a une bataille politique, puisque là, nous avons une période de fracas politique. En tout cas. Tout le monde est moi personnellement, il pas servi à grand chose pour moi, parce que c'est pas avancé qui, il pas constitué en avancé dans la stabilité pays, hein. Il pas constitué en avancé dans l'enquête Jovenel Moïse, hein. Il pas constitué en avancé dans la sécurité pour pays, hein. Donc, nous qu'à bouquer tweeter, nous qu'à bouquer et faire tweet, nous qu'à bouquer et faire conférence, nous qu'à bouquer mettre vidéo dehors. D'autant que nous kembe pays en otage, d'autant que c'est même nous-mêmes qui passé l'ordre d'administration, nous mettre et dit nous dit haïtien fouillon tout rentrer tête. J'aime déjà annoncer dans l'émission jeudi moi gagne envers monsieur Ducasse Floristal bral bal yon titan là pour présenter tête li qui gagne un projet de société vraiment intéressant li pral présenter nous sous changement sous renouveau Haïti. Bonsoir monsieur Floristal, bienvenue dans l'émission et en quelques secondes présenter au public. Bonsoir Yannick, merci et permettez-moi pour me présenter moi à public là, moi c'est Ducasse Floristal, politicologue de formation et de profession et homme d'affaires. Bonjour Yannick, bonjour les ambassadeurs et les 10 départements, des 30 départements géographiques, bonjour Haïti, bonjour Haïtiens et Haïtiennes, qui vivent en Haïti et à l'étranger, bonjour monde qui déjà passer à l'Orient et à Éternel. Bonjour les visibles et invisibles, de l'Orient, de l'Occident, du Midi et Septentrion. Bonjour les auditeurs et auditrices de l'émission Yannick, mon éditorial. Bonjour le monde. Bien, M. Floristal, vous avez un projet et de société qui est vraiment intéressant. Vous avez voyé le document bon mon télévis. Et je dis en l'âme d'arriver en quelques minutes, vraiment succinct pour présenter publiquement qui s'appuie dans le projet ça pour Haïti. Et son projet, moi, c'est de longue date, bien longtemps projet là. Qui s'appuie, qui fait projet à l'époque au cas d'application, qui s'appuie, qui fait société, pas de gens au courant de idées ça, ou bien on partage pour vous, ou voulez, je dis, partager avec vous. Et raison. Qui fait aujourd'hui à moi avec vous, c'est parce que nous sommes qui a la recherche des belles têtes et surtout les femmes haïtiennes depuis 4 ans pour que moi, comme à titre d'ambassadrice et d'ambassadeur, pour porter projet ça dans la population à partir des 30 départements. Je vais résumer en 5 grands points et projet A.
projet A, il y a 5 ans pour la dedans, son gouvernement de transition de 10 ans. Et c'est un découpage pays en 30 départements. Et c'est un nouveau zonage de communes en quartier et habitation. C'est redéfinition du rôle de chaque ministère et établissement public. Et une implication accrue et organisée du rôle de la diaspora haïtienne à vivre à l'étranger. C'est sous 5 grands points à au projet HETA. Et avant d'entrer de Dieu, faut que moi dis, pendant 4 dernières années, ça, que m'adressime avec le public là, avec les grands publics, m'a cherché les belles têtes, hommes et femmes qui sont capables d'être ambassadrices, dans le cadre du projet A. Et depuis projet A, projet parti projet A, ça veut dire que plaidoirie, il date de janvier 95, côté que moi t'ai expliqué, et après des années de militantisme, et me font constat d'échec de démocratie à, qui n'a jamais caractéri en 95, et qui était constitué les 10 premières pages projet A. Et moi j'ai continué le travail avec la population, avec différents acteurs, en d'un pays et des pays, qui ont complété avec proposition qui vient 34 pages. Monsieur Florestan. Ça veut dire que le premier projet A, ce constat d'échec. Première partie, son constat d'échec, réalité haïtienne naïe. Deuxième partie, son proposition de sortie de crise et pour nous, jeter les bases essentielles et à la démocratie. Monsieur Florestal, et projet à l'ICEC pour la donne. Première question, moi, j'ai par rapport avec le projet. Hein? Pour qui ça transition, nous choisissons une transition de 10 ans. Hein? Pour qui ça, c'est sous 10 ans, nous voulons réaliser la transition. Hein? Qui ça qui pral, qui ça en 10 ans vraiment nous ka porter pour payer à travers transition ça nous limite camper. Et comme étant une démocratie, il n'y a pas improvisé ça. Et c'est constat de cette inquiétude que m'te gagné dans la première déclaration que m'te fait en octobre 86 lors de l'Assemblée constituante que m'te candidat pour l'arrondissement de la Croix-des-Bouquets. L'inquiétude même de prononcer dit sous télé nationale en octobre 86 qui était montré que si nous t'as parlé de démocratie et changement et comportement acteur qui t'a même j'en ai fait la Kounia pour lâcher mon yok remplacer le gouvernement sans questionner question que me déposer en 78-79 avec le gouvernement de l'époque. M'a dit, puisque gon vague et pas faire l'international, qu'après arriver sous yo, que peut-être renoncer avec le président Savia en 78-79, yo pas de tandem, qui fait que comportement acte de 86 yo, c'est déjà bon, en pile doute, en pile inquiétude, dans la première déclaration que j'ai fait en 86. Ça veut dire que démocratie sont long processus qu'il y a, et m'a bien expliqué, m'a bien dit, dans 10 ans, on va bien temps implanter la démocratie. Mais on a quitté les bases solides. On fait une construction qui est pour 5 étages. Il faut base là, sol là, répondre avec 5 étages pour pouvoir mettre sous l'IA. Eh bien, ces bases là, on a bien temps jeté parce que démocratie, et on ne peut pas parler de démocratie sans loi, sans norme, on parle de démocratie sans monde, pas un kill. Les éléments essentiels de la démocratie. Ou pas capable de la démocratie pendant qu'on peut majoritairement alphabète, ou qu'on peut pauvre, pas qu'un travail, ou pas qu'un accès à besoin primaire pour appeler des démocraties. De démocratie. C'est la pire démagogie qu'a fait depuis 36 ans, que au lieu que l'idée démocratique là, pour des solutions, bien au contraire, elle vient enterrer le pays dans le plus profond. Désespoir. Okay. C'est pour ça que dans 10 ans, nous ne pouvons pas implanter la démocratie. Okay. Démocratie, c'est sur le long terme,
20, 25 ans, 50 ans. Mais nous avons évité les bases solides et essentielles à la démocratie. Oui. Alors, nous comprenons très bien que base démocratie, il demande avant tout respect principaux, respect valeurs constitutionnelles, valeurs légales. Maintenant, parler de transition de 10 ans, que faites-vous alors de la Constitution? Donc, c'est comme si nous choisissons là, en transition de 10 ans, nous prenons la Constitution, nous mettons l'enveilleuse, Jean-Moi et Premier ministre de facto, il a pédalé là avec un accord et puis mettre la Constitution de côté. Qui s'en a fait avec la Constitution pendant 10 ans de transition ça? Et d'une manière intellectuellement et consciemment, et parler de constitution en Haïti, pour moi, c'est ce qui irrite les m'attendais parler de constitution en Haïti. Premièrement, première élection 90 là, c'est pour permettre aux législateurs de légiférer pour nous de commencer à appliquer la constitution 87 là. Malheureusement, quel pas en fait, et moi, en 2011 ou 2012, ils ont fait, ils ont amendé automatiquement, on a amendé le 87 ans, pas valable encore. Et l'amendement est frauduleux. C'est-à-dire que nous parlons d'un régime constitutionnel en Haïti encore depuis les ans. C'est-à-dire que parler des constitutions, vous pouvez, c'est mal à faire étudiant, jeunesse là, qui a étudié, parler des constitutions en Haïti. Donc, si vous dites nous parlons d'un régime constitutionnel là encore, sous quel régime n'a fonctionné? Eh bien, nous sommes complètement sous l'illégalité. Donc, illégal. Tout ce qu'on a fait là est illégal. Pas grand rien, loi, ni norme constitutionnelle. Ni amendement pas bon, ni. Nous avons l'illégalité dans la démagogie. Considérez-nous dans l'illégalité, c'est dit que Haïti pas fonctionnel là du tout. Eh? C'est dit non pas fonctionnel. Déjà, il y a violé les principes qui dans la constitution amendée, on ne respecte rien. Regardez, je dis là, 7 février. 7 février qui, de manière constitutionnelle, lui manquait et durait mandat présidentiel que c'est rentré, que c'est prise de fonction président ou bien c'est fin mandat. Jodi an la, nous avons vu d'institutionnel depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse, élection qui est organisée, pas de président à l'horizon. Et là, de manière visible, de manière constitutionnelle, m'a dit, parce qu'on a une constitution, que le violé, que on pas respecté, on a une constitution. Maintenant, pensais que m'rete quoi, il était beaucoup plus opportun pour nous faire respecter valeurs, pour nous faire respecter principes, parce que là vraiment, nous avons un problème de société qui base sur violation. Nous pas vraiment un problème de constitution, de loi. Nous avons un problème de société qui base sur violation flagrante. Continue qu'à faire de valeurs, de principes en dedans pays, M. Fionstal. Et mon problème, moi j'ai participé comme indépendant, moi j'ai siégé comme indépendant à l'Assemblée constitutionnelle en 86. Et moi-même pas satisfait du tout de la constitution 87 là. C'est ça que je crois, c'est celle article que nous continuons à promulguer dans le cadre de décentralisation et de concentration. Pour moi, c'est dans la première interview que je me la presse, après la constitution en mars 87, c'était ça que moi-même, moi, été considéré comme des éléments qui t'apportaient en solution à pays. Mais si vous regardez bien, et à l'époque 87, la classe politique, l'université, et le monde qui a supposé et la classe intellectuelle, t'es boudé dans la fille, il n'y a pas de participer, pas de débat intellectuel qui était fait pour que nous ayons une constitution valable. D'abord, grande confusion qui est faite dans la constitution, hein, entre l'État, entre le régime et système. Intellectuellement, il n'y a pas défini le régime, qui est le régime que nous voulons. Un mélange, une cacophonie qui a fait un bing-bang entre régime et système, qui déjà un gros accro dans la constitution. Et deuxièmement, il y a un autre problème encore beaucoup plus grave, son bon morceau, que exemple, il prend des robes du Canada, États-Unis, il coule ensemble, et puis qui pas qu'à couler. Ça veut dire que faut avoir un gros effort intellectuel qui est fait pour t'apporter un amendement à la constitution. Ça, si tu es vraiment des gens honnêtes, compétents, qui te voulaient pour ton amendement.
Mais malheureusement, pour résoudre tout handicap ça, qui pendant 36 ans, qui mène là côté nous et actuellement, que moi proposons assemblée constituante, donc les compositions définies comment composer une assemblée constituante, il y a un conseil au congrès qui pourra jouer le rôle, l'union en sorte de 42 membres et qui ne croissait pas l'union et l'organisme qui pourra écrire des propositions des lois, qui pourra soumettre à la population dans chaque commune, qui proposition et haut, il a retourné dans le département, et puis il a retourné encore dans l'Assemblée pour l'Assemblée à voter. On a fait ça pendant 10 ans pour nous doter pays à leur vision de constitutionnel, parce qu'une constitution, c'est les grandes lignes liées. C'est parlementaire qui était pour faire le roi pour appliquer la constitution. Et nous constatons l'échec là, qu'il n'y a pas aucune constitution valable, ni et 87 ni amendé. C'est-à-dire que nous devons retourner dans 87. Mais 87 tellement mal pensé, mal fait, parce que une confusion entre régimes et n'importe qui pays au monde, et qui est roi ou reine, premier ministre, mais un système démocratique. Et pas un système démocratique universellement, tout à pays, mais nous faisons pour adapter si nous t'allions différents auteurs, philosophes qui parlent de démocratie, ou après, il n'y a pas la même position de la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut un système démocratique qui est adapté à la réalité sociologique, anthropologique, culturellement, population. Intellectuellement, travail ça, par exemple, fait. Et en plus, pas une volonté non plus. Parce que la population fait une culture démocratique. Voilà, donc, c'est l'âme d'Avignon. Académique ou démocratique. C'est l'âme d'Avignon, précisément. Dans 10 ans, c'est base dans la vie. On va arriver à la démocratie, mais on a fini avec une nouvelle constitution et avec une nouvelle équipe. Tout. C'est ça fait que ça prend une nouvelle équipe. C'est ça fait que Madrichem a monde qui est dans l'école. Yo. Et c'est ça obstacle tout. Parce que mon à l'école, il parle de changement. Mon à l'école, il conforme, il conformiste. Parce que si vous avez profité toute la journée de constitution, il a profité de démocratie, et puis. En fin de compte, c'est illusion. Voilà, c'est illusion totale. Monsieur Florestal, c'est l'âme d'avenir en vous. Parce que je dis là, nous avons un grave problème dans la société, un grave problème d'éducation. Je répète quoi est extrêmement important si vraiment on a parlé de démocratie. Supposer gagner des formations, gagner éducation qui fait à la démocratie, gagner droit à la démocratie qui t'a fait pour la population, poser base démocratique pour nous connaître qui ça qui principe démocratique côté droit au commencer côté droit au fini démocratie elle pas synonyme de et de laisser aller de laisser grimper pour faire ça aux gens au vrai. Et ça est extrêmement important. Mais là nous allons passer dans deuxième point. Dans le projet, nous parlons de découpage territorial, et parce que moi, vraiment, on met le focus sur déconcentration, décentralisation. Et nous parlons de découpage à 30 départements. Qui problème nous rencontrons dans notre bâti projet ça, le nous réfléchit pour nous mettre 30 départements au lieu de 10 départements qui gagnent actuellement là dans le pays. Bon, donc on constate le pouvoir centralisé dans le pays à Port-au-Prince. Donc on constate tout le bas centralisé à Port-au-Prince. Donc on constate l'abandon des régions pays à. Donc on constate pays à pas gain l'État, pas gain institution, pas développé. Constater que ça qui cause les bidonvilles à travers les grandes villes, surtout à Port-au-Prince. Constater c'est ça qui fait exode rural vers Port-au-Prince et vers l'étranger. Et constater que ça, c'est la raison pour laquelle il fait ce une article que j'ai vraiment appuyé fortement. Article dans la Constitution 87, il n'y a pas de décentralisation et de concentration, c'est ça fait que focus sur lui. Ensuite, l'on réduit le département, on va apporter les grands services des 19 ministères que j'ai proposé à travers les départements, ou pour venir avec nos communes qui l'avaient comme des parents pauvres, par une compétence, par
grand service là. Premier service population gagne, qui pour gagner tous les moyens, compétences et moyens d'investissement dans même, c'est le gouvernement municipal. C'est municipal. Actuellement, tout municipal abandonné par des compétences, par des mondes, par des investissements. C'est-à-dire que tout le concentration réelle pour déconcentrer les services, aux nouvelles refaire toute institution pour porter les grands services des divers ministères dans le département. Ensuite, pour gagner une équipe nouvelle avec nouvelle orientation des services décentralisés dans chaque municipalité. Et non seulement pour de concentrer les services, mais il faut dépenser le monde, il faut gagner compétences. Et puis, si le pays n'est pas obligé à chercher un job ni à l'Ouest, ni à l'étranger, petit pays qui a l'école qui est compétent, yo, il y a prêté pour servir pays, pour vivre bien dans le pays, yo, pour que yo capable de produire. Parce que chaque fois, moi, je me pose des questions. Qui a l'école servi à Haïti? Qui a l'école utile à Haïti? En disant que l'école plus utile pour détruire le pays. Parce que c'est petit pays qui a l'école, qui a supposé chercher lumière, qui sortit à travers les régions, qui a cherché lumière à l'école, qui a beau retourner par grand-père et au grand-mère qui ont voyé l'école là, tandis qu'ils ont contribué avec les gens qui parlent dans le pays, et puis ils ont fait Port-au-Prince, et puis tout le bagage est fini Port-au-Prince, c'est comme si Haïti est venu capitale de Port-au-Prince. C'est-à-dire que le ça que je pote direct avec 30 départements, avec 30 secrétaires d'État, avec tout service et compétences nécessaires. Et ça fait que nous avons besoin de compétences de l'intérieur et de l'extérieur pays pour nous capables de constituer les commissions de travail, pour mettre accent sur les zonages, des zonages, pour y avoir une communion, pour nous éliminer les sections communales qui ne sont ni mesurables, ni vérifiables, pour nous définir un quartier et quartier en habitation. Nous avons une nouvelle carte topographique d'Haïti. C'est ça que raison a eu. M'a rappelé monsieur Florestan, le nouveau décret sur décentralisation depuis 2005 et qui pas vraiment opérationnel parce que pour nous qu'a bouqué parler de décentralisation, déconcentration et en matière administrative, mais nous besoin vraiment implication institution, nous besoin implication ministère, nous besoin implication des directions générales. C'est à partir des institutions décentralisation et déconcentration à faire. Là, nous avons l'État central qui lui-même seul autosuffisant. Nous avons une municipalité, il n'y a pas réglé rien. C'est l'État central qui peut payer magistrats, c'est l'État central qui peut payer les conseils communaux, les CASEC, AZEC. Donc, nous n'avons aucune municipalité qui est autosuffisante, mis à part de commune d'Elma. De commune d'Elma lui-même qui a débattu pour répondre avec et paiement personnel, qui a répondu avec gestion commune. Non, mais après ça, l'opre 10 départements, 146 communes, tout répondre sous dos bras de l'État central. Là, et nous pas faire une illusion côté que et décentralisation c'est pour bientôt, déconcentration c'est pour bientôt. Nous face avec un long travail, un long processus là pour nous tendre un projet à belle et idéologie c'est acceptable, mais travail sur le terrain, mise en application, c'est vraiment beaucoup de travail. Nous allons passer là dans troisième point et n'a prêté sur trois points aujourd'hui, parce que dans la prochaine occasion, très bientôt, n'a bien pour nous continuer les ça, ou qu'à venir de manière détaillée pour venir présenter un projet à step by step, étape par étape avec le public. Là. Ou parler de implication accrue et organiser du rôle de la diaspora internationale. Et nous qui pourrions avec la communauté diaspora, est-ce que y a des approches qui fait déjà, est-ce que y a des rencontres qui fait déjà pour présenter au projet qui dans quel niveau projet a au niveau de diaspora? Et à mon avis, et il y a des efforts que me fait deux périodes d'efforts me fait dans quel projet. Dans plus de rien, moi j'ai fait passé plusieurs années à faire école dépensée tous les samedis
dans l'école Maître Pierre là, dans Avenue Christophe, pour impliquer les cadres. Surtout les cadres qui travaillent dans la différence militaire. Moi, j'ai fait mes conférences le 17 octobre 2000. Moi, j'ai gagné pancarte étoile qui sortit depuis devant l'église Saint-Pierre de Saint-Delma, Grand Rivé, juste Matisson, devant Saint-Bernadette, pour me chercher compétence. J'ai passé 4 ans à Montréal, à l'école dépensée à tous les dimanches, et tout le monde est toujours branché, même les abdi jodia, élection, élection. Moi-même, je dis élection avec. Pourquoi élection? Est-ce que nous avons un projet? Parce que plaidoirie n'a pas suffi. C'est une proposition. C'est ça, fait que, plaidoirie, c'est constat d'échec. Il n'y a pas de proposition. Je voulais compléter la proposition. Eh bien, moi-même, je dis, je ne vais pas prendre ni élection, je ne vais pas prendre ni élection sans un projet et sans. Là, sans une équipe aussi. Parce qu'il y a des aspects. Parce que je dis, projet ça, c'est ouais loin, c'est visé haut et pas c'est grand. C'est ça, l'idéologie projet A, c'est une école des pensées et action. C'est-à-dire que la raison pour laquelle que toute implication, c'est des ambassadeurs. Bah, ambassadeurs. Ambassadeurs du changement. Ambassadeurs qui pourraient porter à la population, hein, qui parlent, qui pourraient former et informer. Mais et pour moi, c'est pas un travail qui l'ont lié. Et c'est pas un travail qui l'ont. Pour moi, tout ça que vous faites là, d'une manière académique, dans le projet, si Haïtien et Haïtienne qui en un pays, et puis ça dans un pays, fait appel à petit pays, qui doit faire partie des commissions de travail, pour nous porter les compétences nécessaires, son travail qui sera fait dans 3 mois à 4 mois. Et comment c'est démarrer, c'est-à-dire que pour non finir, faire travail exhaustif de coupage communal en 4e habitation, hein, ensuite, non. Définis les 3 commissions pour former, une sous la décentralisation, une sous l'urbanisation, une sous la réforme des institutions. Son travail, si gagné, mais si mon abdi mettez main, compétences, comité, et volonté, comité, son travail qui a fait dans 3-4 mois, et puis automatiquement, nous passons à l'application. Parce que nous avons 2 éléments essentiels, nos besoins. Nos besoins, volonté, nous avons besoin d'esprit patriotique et nous avons besoin d'esprit régionaliste. Comme 3e et 4e, nous avons besoin de compétences et 5e, nous avons besoin de moyens. C'est pour ça que je dis que c'est un projet très ambitieux, très coûteux, qui demande en pile compétences, qui demande en pile d'esprit patriotique, qui demande en pile volonté et qui demande en pile d'argent. C'est pour ça que m'estimer, sans beaucoup gain étude précise, des commissions de travail, même déjà estimé le projet à 30 milliards de dollars US par année pendant 10 ans pour nous sortir pays ça dans la pauvreté quotidienne. Monsieur Florestal, bon bagage vous attire l'attention sur lui en termes de diaspora, communauté diaspora. Nous en 2022 là, et bon statistique qui sont sorties récemment là, côté que 82, estimé 82% des populations haïtiennes ont envisagé quitter le pays. Et déjà, nous gagnons une quantité haïtienne qui vivent l'autre bord qui est énorme, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Amérique du Sud, il y a énorme, il y a en pile. Aujourd'hui, là, moi, je m'oblige à préciser en vous. Par rapport avec le projet, des marches pour y rejoindre la diaspora, c'est comment lié? Est-ce que gagner des structures qui mettaient. Est-ce qu'il y a des structures qui mettaient en place et au Canada, aux États-Unis, en France, et Chili, Brésil, Mexique? Est-ce qu'il y a des gens qui là, qui a essayé de contacter, a essayé de rallier les gens avec des projets, rallier les gens avec des idées? Qui ça qui fait? C'est ça, nous besoin. Parce que travail lancé sur le terrain, lié. Ok, oui, il faut gagner, il faut idéologie, il faut projet, là. Mais sur le terrain, qui contact qui gagne, qui contact qui gagne, t'as fait déjà avec Haïtien qui a vivre l'autre bout de l'eau. Parce que pas gagne temps là, pas gagne temps encore pour Haïti. Ok, d'accord. Et pendant 4 ans que je me fais école dépensée tous les dimanches à Montréal, là, je me fais appel à tout cadre
d'association médecins, ingénieurs, professeurs universitaires, etc. Ils ont tout été voulés dévier moi vers l'élection. Et l'élection pour quoi? Bon. Et deuxièmement, pendant 4 ans là, m'a publié en contact avec tout le monde dans la diaspora, ils ont tous été candidats. Ils ont tous été candidats que moi-même m'opposais à toute forme d'élection depuis 1995. Je suis tout à fait candidat pour député, pour magistrat, pour président. C'est-à-dire que le concurrent, oh, depuis 1995, je refuse de participer dans toute élection encore. Et bien, je même juste, car aujourd'hui encore, c'est l'élection qui a parlé. C'est-à-dire que je ne pas trouver que je suis conscient du problème dans le pays, côté de identifier. Obstacle et problème, yo. Pour yo, yo toujours majorité moun, tout moun qui casse qui veut faire politique, yo. Monsieur Forestal. Magistrat, député, sénateur. Moi-même. Allô? Oui, voilà, écoutez. Monsieur Forestal, m'oblige de dire qu'avant. Il nous faut des élections, non pas qu'à nos sociétés et qui depuis là nous sortis en bas joug oppression, en bas joug dictature depuis 1986, nous disons nous rentrer dans la constitution, c'est le peuple qui peut décider, c'est le peuple qui peut voter, c'est le peuple qui peut choisir représentant. Donc il nous faut parler des élections, il nous faut des élections. Et moi mon petit genre et recacor dans ça qui vient pour avec élection, ça passe. Ou pas pour question élection ou bien par rapport avec d'autorité, par rapport avec idéologie ou pré-élection, expliquez-nous, il faut que le public le comprenne, ça passe. Et d'une manière intellectuellement, comme politicologue de formation et spécialiste en relations et commerce international et développement international, je ne suis pas aussi malhonnête intellectuellement pour me dire élection avec la contribution de la fête à Haïti. Non seulement avec les acteurs, intellectuellement malhonnête, et troisièmement, c'est des petits peuples-là qui ont utilisé, petits peuples-là, qui ont dévoué l'école, peuples-là, arrière qui a dévoué l'école, qui ont utilisé, qui pourraient acheter, qui pourraient mentir, qui pourraient vendre des illusions. Sans programme, sans plan, qui pourraient vendre des illusions, et puis, qu'on y a pour tout bien et richesse, les Port-au-Prince avec des hommes, d'avant des hommes et des femmes. Ensuite, tout bien, tout ça, pillé dans le pays, c'est vrai, il allait pas même servir le pays. Je ne suis pas aussi malhonnête intellectuellement pour ne pas continuer à parler des élections dans le sens de que le peuple-là, pour faire l'élection, pour le peuple-là, pour comprendre ça avec l'élection, pour le peuple-là, capable de définir. Et il a besoin, faut que la compte côté aller, faut que le peuple lui-même capable de démasquer des faux commerces, faut que le peuple capable de poser des questions quand je vais poser des questions pour me répondre. Non, faut un monde qui a une compétence pour présenter des visions claires et nettes et capable de répondre à toutes questions. Moi-même, je réponds à n'importe quelle question sur ce projet-là. De A à Z. Pourquoi vous avez une compétence, des moyens, parce qu'on ne peut pas continuer intellectuellement. À parler d'élections, à parler des conditions, et bien intellectuellement, c'est le plus mensonge. N'a pas international, rinon. N'a pas université étrangère, rinon. Mais écoutez. Monsieur Forestal, écoutez. Oui. Nous pas, si nous disons nous pas dans la dictature, si nous disons nous sortons bien longtemps en bas dictature, nous pas dans le régime du Valais encore, nous rentrons dans la démocratie, nous faisons première élection démocratique, nous sous base constitution et avec Jean-Bertrand Aristide, que vous admettez, que vous pas admettez, nous dans la démocratie, la démocratie est la précaire, la démocratie est la fragile, mais nous dans la démocratie, et sous la démocratie, c'est synonyme élection, démocratie c'est synonyme souveraineté populaire, démocratie c'est peuple qui bat élection, démocratie c'est pas synonyme transition. Donc ou pas car entre non logique côté que je dis hein, ou bon projet de société qui est autant intéressant, qui est aussi intéressant, mais le projet de société on voulait vendre public là, on idée qui base sur une transition perpétuelle. Donc imaginons 10 ans transition, qu'on y a dans 10 ans ça ou pas organiser élection, dans 10 ans ça on t'a venu là. Le fin, nous, t'as pas le fin, renouveler transition. Encore, qui ça t'a pas le passé?
qui ça peut planter 40 ans avec un projet de transition de 10 ans et puis après pour pas changer base, pour pas réformer l'État, pour pas réformer l'administration et puis c'est continuité pour t'as venir faire avec même projet de transition. C'est ça l'idée? Mais attention, attention, tout a été défini, ça pour faire les institutions d'État, décentralisation de contraction, tout est expliqué dans le projet. C'est la méthodologie, l'organigramme et les fiches techniques. Et ça fait que même les projets dans mes journal et n'importe mon capillaire, je ne partage pas tout pour les politiciens qui sont candidats pour sénateur, député et même Jovenel Moïse, que on va pas faire. Parce que méthode là pas dans mes organigramme pas dans mon fiche technique pas dans mon et moyen tout pas dans mes. Ça veut dire que nous parlons de transition côté 1 an, 2 ans, que nous avons couru sur un petit corps enrichi ou non. Tout est expliqué qui s'est fait en 10 ans. Nous ne pouvons pas faire démocratie, nous avons des bases démocratiques. Pour faire élection, il faut réunir les conditions, des conditions institutionnelles, des questions d'hommes et des femmes, des gens qui inspirent le pays, des gens qui ont le pays. Pour les éléments de la démocratie, pour les éléments de la pauvreté, pour les accès à logement, pour les accès à travail, pour les accès à l'école, pour les accès à la santé. Mais je crois au fait, je crois au fait. Ça demande trois éléments essentiels. Décentraliser, déconcentration, les compétences et institutions. Et troisième élément, c'est les moyens financiers. Il faut investir de l'argent. Ce n'est pas faire au milieu la charité. Il faut un budget de développement intégré. Et le coût de budget que, malgré que beaucoup gagnent, études précises de communaux, mais déjà estimé pour mal porter les besoins de base, les besoins primaires de la population, qui vont faire capable une population qui a pensé à la démocratie, qui pour mal outil et moyen pour nous parler de démocratie. Pour parler de juste un mot, on a fait démagogie et puis on a dit démocratie pour le réel, pour les actions d'accès à manger, à l'eau potable, à l'école, etc. Éléments de base essentiels, et bien ça m'a demandé beaucoup d'argent. C'est pour ça que m'estimer à 10 milliards US et 2 milliards par département, c'est-à-dire que 60 milliards par année pendant 10 ans pour nous injecter dans le pays, pour nous mettre des bases démocratiques là. Écoutez un moment, nous avons un peuple qui n'est pas formé. Donc, il est extrêmement important aujourd'hui là pour nous faire éducation peuple. Il est extrêmement important aujourd'hui pour nous inculquer les valeurs de base, les principes même de la démocratie. Qui ça qui fait nous parler de démocratie? Qui ça y doit faire? Qui rôle y aurait? Qui partition y aurait dans la démocratie? Y aurait rôle par rapport aux citoyens. Tout le temps ça arrive à faire là en Haïti, c'est parce que base démocratique yo peuple haïtien pas connaît yo valeur yo pas inculqué moun yo sont pas quelque monde qui rentrait qui était bouqué qui était fatigué avec le régime dictatorial du Valien qui rentrait en 86 qui rentrait au dire pour démocratie tout monde gain liberté de parole pas coup de paladin c'est ça moun yo te comprendre de démocratie en coup de paladin. Démocratie c'est retirer censure que moun yo te gagné yo pas ka parler. Yo rentre dans la démocratie, yo pense, jodi an la, c'est liberté d'expression. Yo pense, c'est liberté de la parole, liberté d'association, réunion. Yo pense, démocratie, c'est qu'al voter, c'est pas prendre coup de bâton, c'est pas gâteau ton coup, etc. C'est ça, yo résumé avec démocratie. Mais travail, moi, travail, au paquet de l'autre monde, jodi an, qui va être responsabilité, informer population, informer public, là, c'est arriver, garder comment moun yo ka comprendre que yo gen droit. Que vous avez devoir, que vous avez obligation tout envers société, envers tête et envers pays. Mais nous pas capable rentrer dans la logique côté que n'a détruit
N'a pas détruit, ça nous prend temps. Monsieur Florestan, un moment. À combien t'on estimé, travail d'éducation ça, que vous avez besoin? Certains travail qui prendra longtemps. Son travail qui prend énormément de temps pour l'atterrir. Conscient, m'pa un rêveur quand même. Son travail qui prend temps, qui prend des décennies. Pendant la printemps, est-ce qu'on va quitter le peuple dans grand goût? Et vous ne parlez pas seulement. Mais écoute. Pas de la femme et nous pas d'oreille. Écoute. Pas de la femme et nous pas d'oreille. Écoute. Oui. C'est pour ça. C'est pour ça, je dis, là, nous devons admettre que chaque grenaïsien qui est parti sur Paris pour jouer, nous payons taxes, nous payons impôts, nous gagnons des autorités qui gagnent responsabilité pour le bas nous accès à des soins de santé, pour le bas nous accès à l'éducation, pour le bas nous accès à l'électricité. Je dis, dans le Caraïbe, là, Haïti, c'est pays qui paye courant, oui. Haïti, c'est pays qui paye courant, qui paye accès avec énergie, oui. Dans le Caraïbe blanc. Nous avons droit pour nous, nous avons droit pour nous d'électricité, nous avons droit pour nous de logement. Monsieur Florestan, bonne fin avancée, et puis après nous allons passer à la dernière question. Ok, d'accord. Je dis là, nous ne pouvons pas admettre que c'est parce que nous avons une démocratie ou bien c'est parce que. Seul bagage pour nous conscient, c'est que mon travail qui passe. Nous avons pas qu'un nègre là qui relève les têtes démocrates, qui relève les têtes politiciens, qui relève les têtes tout non. Qui pas prendre grand merde pour pays, qui pas prendre grand merde pour société, pour peuple haïtien. Yo seulement contenté yo vinn dépouiller l'état, vinn dilapider l'argent développement pays yo et yo allié yo avec des argent même et de la communauté internationale qui soit disant bay don, qui soit disant bay aide, prend l'argent ça yo détourner avec les affaires pa yo. Mais peuple gen responsabilité, nous gen responsabilité nous. C'est pour ça nous ca rebeller, c'est pour ça nous ca revendiquer, c'est pour ça nous ca manifester, c'est pour ça nous ca demander changement. Donc nous pas ca nous contenter nous toute bagarre vin rose, toute bagarre vin bien. Chaque pays gen problème yo. Population, citoyen yo impliqué pour demander changement. Nous avons une sécurité qui a galopé là, nous exigeons sécurité, nous faisons ce que de droit. Bon, et n'a pas avancé, M. Florestan, je pense que dans la prochaine occasion, nous avons plus de temps pour nous débattre, parce que c'est extrêmement important. Jodi là, c'est 7 février, et qui marque de manière constitutionnelle, je le dis, je le redis encore, qui marque fin mandat présidentiel, président Jovenel Moïse, qui lui-même a été assassiné le 7 juillet. 7 juillet, 7 et février, 7 mois depuis Jovenel Moïse assassiné la Kaili. Et comment comprendre démarche qu'a faite par beaucoup de la justice pour président Jovenel Moïse, jeune justice, tant en Haïti ou bien aux États-Unis, côté que y a plusieurs présumés et assassins qui sont en prison, qui étaient journalistes stationnés. Et le constat d'échec que nous avons vu aujourd'hui, nous avons sacrifié carrière et pas de faire honte à l'université d'étudier et à mes collègues, même les mes anciens professeurs qui occupent des hautes fonctions à l'international. Je ne parle pas de faire honte à ça, je ne parle pas de cracher sur l'histoire pays qui fait que je suis un ministre depuis à l'âge de 30 ans, je suis un premier ministre, je suis un président en Haïti déjà. Je devrais être un modèle pour jeunesse, aujourd'hui et jeunesse de demain. Et combat, je ne vais pas défendre le job, je ne vais pas l'éducation politique à côté de toute profession que je suis que je suis un indépendant, un homme d'affaires. Je ne vais pas vivre, je ne vais pas mettre un job ni quitte en politique. Engagement, moi, seul engagement mien, c'est pour ne pas quitter quand c'est ça pour petit moi qui haïtien. C'est tout. Et à mon avis, ça dit là que l'international là, c'est pas lui qui peut défendre l'intérêt de nos pays. Coopération de Gaza, c'est une question d'intérêt. L'homme dit qu'on a parlé des amis d'Haïti, c'est utopie. Par les amis en cas de coopération internationale, en relation internationale. Il n'y a que des intérêts. Qui ça besoin, qui sont au Kaufrim, qui sont au Kabao. Et pour répondre à la question avec précision, nous-mêmes en Haïti, là, nous sommes complètement dans la démagogie, 7 février, nous sommes dans la démagogie, et l'international n'est pas là non plus pour le Baou, ça qui est bon. Il est là pour accompagner
sous respecter tête ou une compétence ou qu'on qui soit besoin, eh bien, c'est soit que nos partenaires ou nos partenaires. Mais ça prend des hommes et des femmes compétents, conscients, qui peuvent mentir. Nous avons besoin des mendiants. Nous avons besoin des hommes et des femmes compétents. Et nous pas besoin aussi des jeunes que moi qui ont fait job, qui prennent porter saluer l'huile et pour bien faire richesse dans le Parlement comme ministre, comme premier ministre, comme président qui continue qui met le peuple là dans la peau. Non, il faut nous renoncer à ça. Et quoi aspect la question qui échappe, vous pouvez répondre à moi. Oui. Et on prend au pire temps, on va répondre à une question Jovenel là, non? Et oui, je veux dire, c'est 7 février qui marque le 7e mois depuis l'assassinat de Jovenel Moïse. Et comment on comprend des manches qu'a fait, qui avance, comment on avance qu'a fait et dans le cadre de justice pour le président Jovenel Moïse? Et, m'a dit nous ça, franchement, avec toute peine et douleur que ça a représenté, que pas perdu ton nom pour nous demander au gouvernement, l'État haïtien, rien. Il n'y a pas pour finir rien. Pas perdu ton nom. Il n'y a pas pour finir rien. Nous n'avons pas besoin d'espérer justice pour Jovenel avec. Non, c'est ton nom a perdu. Mais, on a l'espoir de nous gagner et qui fait partie des formes aussi que l'international rentre dans le projet. Au moins, nous avons un petit brin d'espoir. Ça ne veut pas dire pour autant. Nous avons besoin de tout ça, nous avons besoin. Je n'ai pas de faire tout. Mais nous avons bien d'espoir et qui fait partie de confiance moins et formité. C'est ça l'espoir. Mais pas demander, moi, ni pas en sécurité, ni pas en route, ni pas en manger, mais les gens n'ont pas du temps, non, ils n'ont pas de temps pour nous concentrer sur des bagages sérieux, pour nous préparer non, pour l'endemain. Monsieur Floris Carre. Je ne parle pas. Ce qui base, je dis. Nous pas besoin quoi dans justice en Haïti pour Jovenel Moïse. Sous qui base ou bien des idées parce que nous pas gagner des hommes et des femmes patriotes conscients, conséquents et compétents. M'pense c'est parce que premier ministre Ariel Henry a cité comme une présumé et coupable, oui, comme une présumé complice, oui, disons. C'est la société qui est complice, qui est coupable. C'est la société. On a laissé tuer Jovenel Moïse. La société est coupable et complice. Et nous avons fait énoncer ça avec mon ambassadeur. Ouais, ça. et ça fait 3 ans. Monsieur de penser son bagage personnel que me dit. Monsieur de faire le commentaire sous le plan, mon ambassadeur, département et moi c'est Nicolas. Et monsieur de font commentaire. Commentaire, monsieur, moi je réponds. Il me dit. Moi-même, je n'ai pas Jean-Jacques de Saline, par contre, on a 2e du 106 qui a fait. Moi-même, pas Jean-Jacques de Saline. Monsieur de prendre personnel, il était fâché. Mais je m'ai déjà annoncé. Son annonce de fait, je connais aujourd'hui, si monsieur t'a réfléchi sur ça, je m'ai dit là, je connais ça car il l'aime pour l'excuser. Il va pas comprendre ça, je m'ai dit. Je dis, moi-même, pas Jean-Jacques de Saline, par contre, 2e du 106. Bon, mais c'est. Je vais dire là, non, non, pas aller. M'espérer dans une prochaine occasion pour qu'on ait plus d'explications sur ce sujet là, on passe Jacques de Saline. Monsieur Florestan, c'est un plaisir pour nous gagner une émission mon éditorial aujourd'hui. Et comme nous disons, il faut que le public là vraiment qu'on est en dedans projet. Parce que il cause des transitions, ça. Il y a des problèmes en Haïti en transition de 10 ans. Et aujourd'hui, le public en fait face avec Monsieur Ducasse Florestan qui n'est pas vraiment fan. Et des élections en Haïti qui pas vraiment fan et de ça nous dit comme constitution, de ça qui vient dedans constitution, de façon nous appliquer constitution en Haïti. Donc bon, ça on paquet de bagaille pour dire nous, on paquet de bagaille pour aider à comprendre tout en termes de démocratie, en termes de principes démocratiques. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine fois et merci encore Monsieur Florestan, à la prochaine. Devant public là et devant tout auditoire, moi mandé pour venir ambassadeur du Chelta dans le cadre de ces grands rêves, de cette grande aventure, en tant que, surtout en tant que femme haïtienne, comme modèle, parce que je cherché depuis des années là. Public, et quantité à très mince. Il n'y a pas répondu pour vous. Et insignifiant. Merci beaucoup. Hein. C'est un plaisir. Et moi, merci. Et moi, espérer que le travail a porté fruit
position et combat depuis plus de 43 ans. Merci, M. Florestan. Merci, et à la prochaine. À la prochaine. Hey, aucun problème, bon? Bagay la piti. Rete la pale. Zest of Moringa pour tes solutions. 15 outils, c'est pour mal pour en même. Ça pourra le permettre de rallonger. Bal longueur vle, et puis survle, pour moun vle. Dans 90 jours seulement, solution non mais pardon ya. Et ou même qu'a fait revenir. Ah, madame n'a pas vle dans kaila. Kout ki lot fait pou pou. Ou fait bekate? Eh bien, pas inquiète, solution là. Gebon, yon traitement 100% naturel, pendant 90 jours, tout bekate fini, zafo regle, nan bon ti mami. Tout garçon ka utilisé entre 15 à 75 ans. Ou pas besoin peur. Produit 100% naturel, yon testé et approuvé. Relé dans 514-886-9776 ou bien dans 37-55-46-06. Ou bien tout, passez sur le website là, www.zestofmoringa.com. Suspend plein. Zest of Moringa, c'est solution. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Ou remet pays et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Et puis sur mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis le fait 2h, monsieur Chanel parle là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral le débat. Wow.